appuyer sur le truc, là, il est juste arrivé. Attention, Yankee 33 pour Dundee 33. Ouais, 73, Rémi, Yankee 33 sur la rocade, qui arrive presque à la station service que tu connais. J'espère que tu vas bien malgré ce temps très très froid. 73-51, eh bien, je viens d'arriver sur la rocade aussi. Là. Alors, tu vois, j'étais en train d'écouter là, un QSO, là, ça doit être, je pense que ça doit être un convoi exceptionnel, là, sur le 17. Ok, non, j'ai pas entendu, là, j'étais resté en stand-by sur le 19. Voilà, ça a crachoté un petit peu, mais bon, j'avais rien là, dans le haut-parleur. Ok, pour la rocade, eh bien, écoute, on va peut-être bientôt se croiser. J'arrive au niveau de la sortie 10, voilà, ça circule bien. Encore une fois, je vais en profiter parce que la semaine prochaine, je ne sais pas si le télétravail va se poursuivre, mais on risque d'avoir plus de monde. En tout cas, là, c'est bien agréable. Ah, je vois de mon côté, ça bouchonne un petit peu quand même. Hein. ouais, c'est un petit peu... voilà, j'arrive au niveau du chantier. Hein. Voilà, ça merdouille un petit peu de mon côté, mais bon, ça roule quand même. Oh oui, ça va se poursuivre, le télétravail. Ça, j'en suis convaincu. Ah bah écoute, on verra bien, hein. On va le savoir très bientôt, puisque à la base c'était jusqu'à la fin de la semaine, donc ouais, ils vont peut-être faire des nouvelles annonces, on verra bien. Voilà, bon après bah, je te rassure, ça, moi je vois en face là, ça roule pas mal, voilà. C'est pas à l'arrêt du tout, ça roule pas mal, donc tu devrais rejoindre ton QRA tranquillement. Ah bah tiens, je suis à 400 mètres de la sortie 8. Tiens, au fait, t'as pas regardé là, le réglage là, pour remettre juste un petit filet de déco derrière. Ouais, alors attends, voilà, j'ai remis le bip et l'écho, on va me dire si c'est bien réglé. je sais pas, ouais, mais hier soir j'ai mis la vidéo, la dernière que tu as faite en route, mais j'ai pas eu le temps de la regarder en entier. Donc elle est restée sur l'écran, voilà, tu vois, sur un de mes onglets. J'ai la page YouTube avec ta vidéo, on verra bien. Donc voilà ce que j'ai fait, dis-moi ce que t'en penses. Là, t'es pas sur la position 1, là, au niveau du réglage, au niveau du volume. T'es un petit peu plus haut. Ah, peut-être, j'ai du mal articulé, quoi. Tu es un petit peu plus haut que ça. Ah, bah écoute, moi, j'ai regardé par rapport à ce que tu m'avais dit. Donc, le délai, j'ai mis le maximum, qui est 64. Et après, tu as notre réglage qui s'appelle une, un truc comme ça. Ah, c'est pareil, ça va de 1 à 64. Et j'ai mis, je crois, 1. Mais bon, c'est pas le volume qui a marqué. Oh, je sais plus, il faudra que je regarde sur le bouquin. Ça me paraît un petit peu haut. C'est très fluide, hein, c'est très... putain, je dis ça en regardant la circulation qui bouchonne en sens inverse. En fait, qu'est-ce que je fais, moi, sur la boîte gauche, moi. Voilà, ça y est, je me suis rabattu. Je sais pas, j'ai l'impression quand je m'écoute que c'est un petit peu plus faible que ça quand même. Enfin moi je suis avec le micro d'origine au fait. Hein. Alors si tu es sur un micro préampli, évidemment ça doit booster un petit peu quoi. Comment je t'ai perdu d'un coup là, tu m'arrives complètement QRP là. Ouais, c'est étonnant. Là, bon, là je suis en train de faire une petite vidéo, hein, donc déjà là tu pourras voir ça et comparer avec ce que tu entends là de mon côté. Je sais pas, c'est bizarre parce que comme je l'entends là, j'ai l'impression que le réglage est plutôt sur 2 et non pas sur 1. Ou alors t'es peut-être un micro. Ben, non, tu m'as pas dit que tu avais un micro préampli derrière. Si t'es comme moi sur le micro d'origine, j'ai pas l'impression que moi l'écho se fasse autant entendre que ça. Car là on va dire qu'il est quand même assez bien présent. Même si c'est quand même assez agréable à écouter, il est quand même bien présent.
Et c'est pas vraiment ce que j'ai entendu moi de mon côté là quand je l'ai réglé. Ouais, bon, c'est Rémi, 100% qui est fait pour moi. Ok, sans problème, le micro gain tu peux le laisser à fond, hein, au contraire, vaut mieux qu'il soit à fond, hein, vu que tu es sur le micro, attends, voilà, ça bouchonne, là. Vu que tu es sur le micro d'origine, vaut mieux avoir le micro gain à fond, hein, Alors, ok, je t'ai envoyé les bonnes sur 1351, je suis dans le virage de la clinique Jean Vidard, voilà exactement là où je suis, et je me retrouve là de suite à l'arrêt. Allez, bonne journée à toi, je serai là demain matin. Allez, bonne journée à demain matin si tu es là. Ok, oh le fonctionnaire, ici trois coups. Ok, bah repose-toi bien pour demain. À la prochaine. Attention, Daniel, senteur pour Dandy 33 qui t'appelle depuis la rocade à la hauteur de la sortie 5, zone de fret. Oui. Bon, ben, s'il y a quelque chose qui est passé, c'est pas passé de mon côté en tout cas. Sur Bordeaux, là il y a une alerte. Là on est coincé à 70. Alors cherchez l'erreur. Quand on est habituellement à 90, j'ai la sixième d'enclencher. Là je suis à 70, donc bloqué au quatrième. Ce qui fait, bah, je consomme plus, je passe plus de temps sur la rocade, je pollue plus. Et c'est comme ça qu'il résout. Ah tiens, il y a un radar là. Et c'est comme ça qu'il résout les problèmes de pollution.
Ma foi. 50, ça, c'est quand? Chacun sa logique. On va chercher à la 5 quand même, faut pas arriver. Ouais, mais bon, il est dans la tour. Je sais pas ce qu'il a comme maîtresse, son collègue, mais il passe pas. Ouais, juste devant moi, ça fait tout pas que plus replié, mais là on est tout pour se replier. Ils ont arrêté Nicolas. Ça bouche un aussi là-bas. Ah si, ça passe. Attention, un peu par choc. Ouais. On va les croiser. Et tout réparer, tout prendre en plus. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, c'est chargé, il y a du monde, ça roule, il y a du brouillard. Bonne journée à tous. Allez tous à retourner, bonne journée. Un petit peu de cacophonie là. Comme quoi, il y a du monde. À la station qui a le point de micro, là je suis dans les QRM. Là, entre le pont d'Aquitaine et l'Ormont, c'est atroce, hein, côté QRM de ce côté-ci, là, sur le pont, tout ça. Et du coup, là, j'ai pas du tout Roger, je vais pas te faire répéter, c'est pas grave. Les bottes sur 13-51 de lundi 33 dans le brouillard. Ah là, mais là j'ai entendu un mot sur 10 à cause des QRM, c'est tout ce qui est passé de mon côté. Bon, désolé, c'est pas grave. Bonne journée à toi à la station. Ok, tu vas m'envoyer un message là où je sais. Alors, solution A, sur le forum La Planète Sibi francophone, sur le solution 2, sur Facebook, solution 3, sur VK, solution 4, sur Instagram. Bon, au choix. Ok, sur Facebook, je suis trois coups. Mais je verrai ça en arrivant parce que moi, le téléphone en roulant, c'est pas vraiment mon truc. Si certains ils ont un téléphone de greffé dans la main, moi, c'est vraiment pas mon dada.
Alors, je suis sur la rocade rive droite, pas loin de la station essence, là, avec celle qui est en travaux, là, sortie 26, voilà. Je suis pas loin de la sortie 26. Et là, je suis un petit peu dans le trou, là. Je suis dans les QRM. C'est vraiment pas évident pour sortir quelque chose de ce côté-là. Hein. En même temps, là, j'ai fait, vu que je sors là, d'un QSO avec une station, là, j'ai une vidéo là, qui est en cours là, en ce moment. Donc là, tu pourras, j'aurais bien envie de dire, apprécier comment tu passes, mais tu risques d'être un peu déçu sur le coup. Parce que c'est vraiment pas triste là, de mon côté. Il est 73-51, le Vendéen, ben tiens, j'arrive à la hauteur des rocade rive droite, là, au niveau des stations essence. Hein. C'est quoi déjà? C'est SO ou Total ici? C'est Total, je crois, là. À côté de la sortie 26, voilà, c'est ça. Je suis en train d'arriver sur la sortie 26. Ok mon poulet. Je suis trois coups, hein, mais c'est vrai que là c'est ardu hein, pour le sortir. Hein. C'est vrai que puis en plus là de ce côté-ci il y a du QRM en pagaille. Là au niveau de la rocade, le pont d'Aquitaine, après le virage de l'Ormonde, ça c'est atroce. Hein. Parce que je vois moi depuis le QRA, plusieurs fois, des fois là j'entends des stations là, de ce côté-ci. J'essaie de les appeler et tout, voilà que ça passe pas hein, à cause des QRM. Hein. Ok, bonne journée à toi. Ça y est, Tristan, j'arrive en haut de la sortie 26. Là, j'arrive à te sortir. Désolé, Rémi, j'ai pas fait en filière. Ah, c'est ok. Ouais, je disais que là, ça y est, je commence à te sortir. J'arrive en haut de la sortie 26, là, à Lormont, pour attraper après la direction Libourne. Attends, j'y suis pas encore pour l'instant, je suis au feu de la sortie 26, en plein dans le brouillard. D'accord. Ah oui, ils ont beaucoup de brouillard. Vu qu'il commence à faire froid de plus en plus. Oui, c'est froid, mais là je suis sorti de chez moi, là, je suis en plus avec la cinette, avec une chaudière pour tous les hommes, avant de s'aller de 24 000. Et avant d'acheter mon DKB 750 000, il m'avait envoyé
Saint-Louis. Ok, d'accord. C'est vrai que je brasse tellement de messages sur Facebook, au secours. C'est des fois c'est un petit peu compliqué de me souvenir de tel ou tel message. Des fois ça se croise un petit peu là. Par moment j'ai les neurones qui se mélangent un petit peu les crayons là à force. Ok, ben, en arrivant, je regarderai le message. Tu m'as dit que t'es mieux, si j'ai compris, oui, si j'ai bien compris tout à l'heure, que tu allais m'envoyer un message. Ok, je regarderai ça là, dès que je suis arrivé. Voilà, je suis en train de passer. Eh ben non, je passerai pas. Voilà, je suis arrêté là au feu, là, face à la ligne droite de National 89. Attends, là pour le moment j'ai un espèce de QRM ici au niveau des feux, là c'est même pas la peine. C'est le temps que ça repasse au vert et je te reprends aussitôt et je te rappelle aussitôt après. Ok, ça y est, je suis reparti. Là ça doit être bon, là, je vais pouvoir t'entendre à nouveau. J'ai une balise là, qui est passée en même temps dessus. Ouh, ce matin c'est compliqué là. Bon, je pense pas que les brouillards ils soient pour quelque chose. Mais ce matin, t'as la vache, j'ai beaucoup plus de QRM que d'habitude. Plus là, comme j'ai à l'instant une balise là qui t'a marché dessus. C'est ouais, c'est coton là ce matin. Ouais, enfin, c'est coton. Je rigole de ma connerie parce que j'ai pas fait exprès en plus. C'est coton avec le brouillard qu'il y a, oui, bah oui, forcé quoi. Voilà, je suis en train de passer la sortie Artigues-Ivrac. Ok, la sortie Irak. Ah putain, là tu passes bien à cet endroit-là, il faut que je m'arrête juste ici, ouais. Comment je te revois ici de mon côté à Libourne. Je suis en fixe. Ok, ouais, tu fais une petite vidéo que tu vas mettre sur le groupe, c'est ça? Comment? Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Que tu faisais une petite vidéo, c'est ça? Je t'ai envoyé sur ton compte Facebook, tu m'as accepté hier, je crois. Tu m'as accepté. Je t'ai envoyé une vidéo pour te montrer comment je te reçois de mon côté. Ok, c'est cool, ça, c'est super, merci. En tout cas là de mon côté bon c'est bon là ça y est là, je suis sorti des QRM de tout ça, ça roule tranquille pépère là, je suis à quoi, je suis à 90, je crois qu'avec le brouillard qu'il y a les gens ne s'aventurent pas à rouler plus vite hein. Autrement ouais là ça va, là je t'entends bien là c'est une bonne radio de 5 là, je suis en train d'arriver en haut avant de redescendre sur le village de la poste. Mais je te reçois de mieux en mieux, moi. Et ah, bah tu m'étonnes. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Surtout que j'ai un peu de puissance derrière quand même. Ah, ça c'est sûr, moi je suis juste avec un 9009. Et avec une antenne Scooby-Doo provisoirement, après avant d'avoir comme installé la Vector 4000. Putain, la vache, là, il y a un sacré morceau avec la Victor 4000. Mais là, Scooby-Doo est une bonne antenne. Hein. C'est une antenne qui marche très bien. Hein. Bien au contraire, il y en a pas mal qui l'ont, celle-ci. Hein. Et tous ceux, ben, c'est pas compliqué. Tous ceux qui l'ont,
Et au vu en plus de ça des commentaires qu'il y a sur le forum, elle fonctionne très très bien cette antenne. Hein. Ah oui, elle marche bien, c'est mon oncle qui me l'a fait, elle marche nickel bien. Elle marche nickel. Ah oui, 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 parce que là, là tu pourras le voir dans la vidéo. Le signal, je ne peux pas te le dire, là, parce que moi, je n'ai pas les lunettes sur les yeux. Et je n'ai pas le poste qui est vraiment devant moi. Donc, c'est un petit peu compliqué. En plus, avec le brouillard, ça bouchonne un petit peu. Ceci, cela, ça freine, ça repart. Donc là, je n'essaie même pas de regarder le signal. Mais vu comment tu m'arrives, là, maintenant, là, je suis en bas, quasiment en bas, là, au niveau de la poste. Et tu m'arrives bien, hein. D'accord, ouais, c'est la vidéo, oui. On s'en passe bien. Oui, Marc-Pierre, c'est mon oncle, je le connais, mon oncle, c'est quoi. Oui, j'ai un petit QRM là, qui est passé là, pile en bas, là, dans, à la poste. Oui, 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 je sais qui c'est, évidemment, je sais qui c'est. Il fait assez de bruit comme ça sur les ondes. Je suis trois coups. Oui, non, mais je m'en souviens très bien, hein. Ça j'ai pas oublié, je m'en souviens très très bien. Et oui, dans la voiture, alors au QRA, ça dépend, j'ai deux postes au QRA. J'ai soit le décamétrique, le Yasu FT450AT, ou alors le CRT7009. Suivant l'humeur, suivant les QRM surtout, je mets l'un ou l'autre. Et là dans le push, c'est le président Lincoln 2 Plus, voilà, que j'ai là. D'accord, mais voilà, c'est celui-là que j'avais, le seul que t'as dans ta voiture que tu te sers là. Je dis quand le feu, les 6, voilà. C'est celui-là que j'avais, mais je l'ai changé à un moment, c'est beaucoup après, je suis acheté le 9009, et après je vais prendre le 450D. Le Yasu FT450D, t'en as vu un en occasion, parce que maintenant il n'y a que comme ça que tu peux en trouver, hein, en occasion. Ou alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Non, c'est bon. Ou alors, un fond de magasin qui en aurait encore un de côté, quoi. Ah, oui, c'est le même que toi, que j'ai vu sur les vidéos, parce que mon nom qui m'a expliqué, pour moi, il me faut une boîte de couplage, sinon, si j'ai un autre poste, je vais pas savoir m'en servir pour. La boîte de ce que je veux dire. Oui, la et puis moi je bafouille et je sors du boulot là. oui, la boîte de couplage, oui, c'est ça, oui. Et alors moi c'est le 450AT, c'est la génération précédente. Et oui, effectivement, j'ai la boîte de couplage intégrée dedans. Je la mets, je la mets pas. Bon, moi au QRA. Attends, je vais lever le pied parce que je vois que le brouillard s'épaissit de plus en plus. La boîte de couplage, je ne l'utilise pas moi en général, puisque bon, l'antenne est bien réglée, donc c'est pas la peine que j'enclenche un truc en plus. Bon, autrement, je sais que sur le mien, quand je l'enclenche, elle est aussi bien. Je peux la mettre aussi bien en émission qu'en réception. Et bon, je ne suis pas du tout radioamateur et je vois là quand je vais écouter sur les bandes basses. Je l'enclenche et ça me fait l'accord de l'antenne comme ça peut sur les bandes radioamateurs, quoi. Et juste en réception, quoi. Ça, c'est vrai que c'est bien pratique que ça puisse fonctionner aussi comme ça en réception. Ah oui, c'est pratique. Vu que moi j'étais plus, mon oncle qui m'a conseillé ce poste 450D Yasu avec la boîte de couplage, parce qu'au début je voulais que. Le 891 Yasu. Je connais pas trop là. Mais le pour le 450D, alors qui est la version au-dessus, la version suivante du mien,
Il n'existe plus un au niveau poste neuf, il n'est plus fabriqué celui-là. Hein. Donc si vraiment tu arrives à en retrouver un, c'est soit de l'occasion ou un fonds de magasin. Autrement dit, tu auras de la chance si tu arrives à mettre ta main dessus. Ah mais attends, c'est toi qui m'as parlé là du 450D en message perso sur Facebook. C'est bien ça? Oui, c'était moi, c'est Volwest Survie. C'est moi qui t'avais demandé, tu m'as répondu en commentaire. Mais oui, ça y est, maintenant ça y est, ça me revient. Tu vois, voilà, ça y est, c'est lâché, c'est choqué. Oui, c'est vrai que pour valider en plus sur Facebook, des fois je traîne un petit peu parce que bon, je suis quand même obligé de me méfier malgré tout avec tout ce qui traîne sur Facebook. Et je me suis déjà fait pirater 4-5 fois le compte. Je me retrouve depuis avec un mot de passe, c'est carrément une phrase pour te dire que le truc il fait 1 km de long. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois je traîne un petit peu avant de valider, j'observe un petit peu et tout ça. Et puis quand je me suis rendu compte que tu étais sur le groupe, oh, je me suis allé, c'est bon. Je peux valider, là je peux faire confiance. Oui, c'était moi. Tu as même accepté ton compte personnel, accepté hier soir. Voilà. Ouais, toi là, je suis entre la sortie 8 et la sortie 9. Putain, la vache, ce brouillard, ça fait plusieurs jours qu'il est là, ce brouillard. Putain, mais cette année, c'est l'horreur, hein. Là, c'est. Et puis au niveau température, là, on peut dire que cette année, on a un véritable hiver. Ah, je suis trop à Ah, mais oui, j'allais dire, un brouillard, on ne s'en sort pas du brouillard. En plus, il a gelé, il fait moins 3, moins 1, moins 2. Le brouillard, il a du mal à baisser l'autre jour, toute la journée, il y a eu du brouillard avec ça, monsieur. Eh oui, ça fait plusieurs jours, là, qu'au QR1, là, je vois plus le soleil. J'ai dit, bah merde alors. C'est putain, puis là ouais c'est vu comment c'est pas parti pour s'enlever. Ouais. Mais tu bosses pas aujourd'hui ici ou t'embauches plus tard? En fait j'ai changé de travail en fait maintenant. Je suis plus dans les vignes, du coup je me suis mis en fixe, j'ai une maison, je me suis mis en fixe. Et sinon je fais des livraisons, je travaille que le soir de 10h à 22h. Ok, d'accord, bah, ça va quoi. Non, parce que c'est vrai que là, avec la météo qu'il y a là en ce moment, travailler dans les vignes, il faut une sacrée dose de motivation là, oh la vache. Mais je suis pas sûr que ça suffira. Quoi. Et quoique, on n'est pas au Québec non plus, parce que j'ai des copains là-bas, les mecs ils m'ont montré un petit peu les températures, c'est des coups de moins 25 hein, en ce moment. Oh la vache, là ça jette un froid. Ah ben oui, au Québec ça fait froid là-bas, hein. Plus froid qu'ici, hein. Mais même ici, il fait froid ici. Ah, j'entends des Roger Bip derrière. Ouais, mais bon, ici c'est un froid humide, donc il est quand même plus difficilement supportable que ce qu'ils ont là-bas. Quoi. Mais bon, ça fait rien, hein. Quand le froid est là, il est là quand même, parce qu'à moins 25, ça va faire une sacrée morsure quand même, hein, là au niveau du froid. Voilà, là ça est au secours. Là. Ah, ça c'est clair, ça doit brûler le visage, on doit avoir des crevasses. Avec le froid qui tape sur le visage, il faut bien camoufler le visage. Hein. Tu te mets carrément un scaphandre de cosmonaute. Je suis sur la rocade au fait, là, de Libourne. D'accord. Ah, tu débauches de ta nuit là. Ouais, affirmatif. Et ben là, ce soir, je reprends à 23h30. Ben jusqu'à, ben comme là ce matin, 7h30. Et après, je fais quoi après? Vendredi, je fais 18h30, 6h30. Et après tout le week-end, je sais plus ce que je fais après. Ah si, après tout le week-end, je ferai 19h30, 7h30.
Ouais, c'est différence d'horaire, c'est ben, autant de différence d'horaire qu'il y a de changement de site, quoi. Alors c'est un petit peu compliqué des fois, j'ai mon planning en permanence à la poche. Ah d'accord. Ah ben oui, mais je voulais te demander. Attends, désolé, j'ai mon qui pleure. Je voulais te demander les QSO, c'est quel jour que tu le fais, le soir? Le soir, comme il y avait. J'ai perdu le lien avec la photo. La photo c'est marqué de telle heure à telle heure et sur une certaine fréquence. Ouais, alors, si tu le verras sur mon compte, hein, si tu listes, c'est vrai que sur le groupe Facebook, une publication en pousse une autre et ainsi de suite et tout, et ce qui fait du coup ça se retrouve déjà à plusieurs kilomètres. Mais sur mon compte, tu la trouveras facilement l'annonce. Alors, c'est, pour ma part, je le fais quand j'ai le temps. C'est pas évident du tout. Comme là, par exemple, vendredi prochain, comme je t'ai dit juste avant, là j'embauche à 18h30, donc déjà pour moi le QSO c'est mort. Je serai déjà au boulot, parce que le temps de faire la route et tout, je pars à 17h, donc là c'est même pas la peine pour moi. Et en plus de ça, j'aurais été au QRA, j'aurais eu une... Léon, avec l'heure, c'est France en visioconférence. Donc, alors pour le QSO, ça aurait été assez ardu quand même. Voilà. Alors, c'est vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, pour ceux qui peuvent, à partir de... Qu'est-ce que j'ai mis déjà 18h30 et 21h. Oh putain, et les annonces, je les mets à chaque fois en copier-coller, ce qui fait du coup, je ne rentre même plus ce qu'il y a dessus. Quoi. Oui, je crois que c'est ça, ouais. 18h, 21h. Ça doit être ces deux horaires-là qu'il y a, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Mais c'est vraiment pour ceux qui peuvent ceci, cela. Hein. Si tu y vas vendredi soir, je sais pas, peut-être que tu auras Gilles. C'est 14 km, 33, 10, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble, je sais plus. Tu as aussi quelqu'un que tu connais sur Libourne, Nico, 14 km, 33. Ah ben là c'est pareil, j'ai oublié le numéro derrière. Qui vient de temps en temps aussi dessus. Donc faut tenter le coup. Ah, ça freine devant. Ça bouchonne là j'arrive, je suis toujours sur la rocade de Libourne, là je suis en train d'arriver là au niveau du pont là qui enjambe la Dordogne. Putain mais hey, de chaque côté je vois même pas ce qu'il y a quoi. C'est, je sais qu'il y a des champs mais là comme ça je les vois même plus quoi. Ah tu m'étonnes, oui, avec le brouillard, oui. Hein. Oui Nicolas, je le connais, c'est lui qui m'a monté. Tu te rappelles la dernière, c'est toi qui m'avais conseillé. Nicolas, et du coup je l'avais contacté sur Messenger pour la voiture, pour qu'il me l'installe de la voiture, il me l'a fait. Mais il n'avait pas trouvé la masse en fait, c'est difficile. Il faudrait trouver un point de masse pour l'antenne, c'est pour ça du coup j'ai changé, je me suis mis en fixe. Ah t'es, il y en a qui se sont mis en FM là derrière. Alors ça c'est pour foutre la merde. Ok, mais surtout qu'avec Nicolas, bah oui, vous connaissez bien de toute façon, même, puisque vous avez tous les deux un lien avec justement le Coyote. Ah oui, c'est mon oncle, du coup, vu que mon oncle le connaît, c'est pour ça. Ah bah tu m'étonnes, c'est son oncle aussi, hein, si je me trompe pas. Comment ? Si je me trompe pas, c'est aussi son oncle. Non, c'est pas son oncle à lui, c'est une connaissance. C'est mon oncle à moi. Bon d'accord, je me suis mélangé les crayons. Ah, j'étais persuadé, toi. Bah oui, tu vois, là, comme c'est là, j'ai mal compris. Il m'a semblé avoir compris que, justement, son père est le frère, justement, du Coyote. J'avais cru comprendre ça, mais bon, je me suis mélangé complètement les crayons. Bon ben c'est pas grave, c'est tout moi ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. D'accord, oui, des fois ça arrive de se mélanger les pinceaux, oui.
Ah oui, puis alors là, moi j'ai le chip pour ça. Hein. Ah ouais, mais je vois souvent que tu dis donc je vois souvent. Attends, voilà, je viens de passer là devant. Ah, je ne sais quoi ça déjà. Ah, j'ai oublié le nom. Bon, d'accord, là je suis sorti de Libourne. Là je suis sur la départementale en direction comment ça s'appelle déjà, je suis entre Libourne et Gélermanin, puisque j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle déjà, ah, là où il y avait la discothèque avant, le Bois de l'Or. Ah oui, du côté de j'y vis, mais où il y avait Noz et tout ça, là. Ouais, voilà, je suis bientôt rendu à cet endroit-là. Là. Putain, la vache, comment ça a blanchi, là, de chaque côté, là, avec le froid. Oh, putain, Bois de l'Or. Voilà, je suis en train de rentrer dans le Bois de l'Or. Ouais, il y a tous ces magasins, là sur un petit peu plus loin, là, sur la droite. Ah, d'accord, du pied du ici, d'accord. Ben moi, je suis à Libourne. Voilà, comme tu le sais, à Libourne. Ah, ok. Le truc, il déconne plein pot, là, le radar automatique, là, le radar pédagogique. Et j'étais à 45, le machin, il m'a affiché 52, quoi, un truc comme ça. Quoi. Voilà, je suis en train de passer, là, devant les magasins, là. D'accord, ben les radars, ils peuvent souvent les radars. Mon indicatif, si tu veux, c'est un temps, on veut dire Mike 33-23, si tu veux. 33-23, ok, d'accord. Eh ben tiens, justement, en suivant, il y a un nouveau kilomètre aussi. Bon, moi, c'est 33-01. Et aussitôt après, il y a un nouveau aussi kilomètre, 33-24, qui est du côté de... il y a Gilles qui est là-bas aussi en kilomètre. Saint-Loubès, voilà, ça me revient. Ils sont tous les deux du côté de Saint-Loubès. Ah d'accord, ouais, Saint-Loubès. Ok, mais moi ça fait pas longtemps que je suis dessus Kilo Mike, je me suis mis dessus. Parce qu'avant tu frappais, j'avais mon autre indicatif, mais sur le groupe FRS. Oui, ça, je me souviens de cette discussion. Et c'est vrai que eux, en principe, c'est surtout du côté PMR. C'est surtout de ce côté-là. Bon, pour les membres, ils s'en fichent de venir avec cet indicatif-là sur la CIBI, mais au niveau de ceux qui sont à la tête de ça, des fois, ça grince un petit peu. Quoi. D'accord. Ben oui, je me souviens, tu me l'avais dit l'année dernière quand c'était Paris, mais du coup, vu que j'ai installé en fixe, j'ai dit, je vais m'inscrire au Kilo Mike, comme ça, je suis tranquille. Bon, je pense pas qu'ils auraient été emmerdés. Bon, je les connais pas personnellement, mais bon, je pense pas qu'ils soient à ce point-là, quand même. Mais bon, c'est vrai que en choisissant Kilomike, alors je prêche pas pour les Kilomike ou quoi que ce soit, mais c'est rien que les lettres, elles claquent bien en fréquence. Et c'est à coup sûr que quand tu prononces l'indicatif, la station en face comprend ce que tu dis. Je suis en train de bugger, moi, à fond. La station qui est en face, même s'il a du mal à te recevoir, quand il va entendre Kilo Mike, forcément, ça va lui claquer aux oreilles sans problème. Ah, ben, ça c'est, oui. C'est pour ça que Kilo Mike, j'ai trouvé que c'était mieux. J'ai demandé à Nicolas et il m'a dit, vas-y, fais-le, ça sera mieux. Parce que l'autre, c'est PMR, c'est pour ça que je préférais changer. Ouais, c'est vrai que bien souvent, au niveau des responsables, justement, de FRS, ils sont pas très chauds à voir des indicatifs PMR utilisés sur la CIBI. Ça coince.
Ça coince, ça coince. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, hein. C'est pas la peine. Le principal, c'est que chacun trouve son plaisir au niveau de la radio. Et puis voilà, quoi. C'est ça, c'est sûr. Moi, vu que je débute, je connais pas tout encore. C'est ça quand on débute. Oh, oui, c'est sûr. Alors, je t'invite, à moins que tu y sois déjà, je t'invite à venir sur le forum La Planète Semi-Francophone. Et bon, niveau mentalité, c'est complètement différent de Facebook, où là, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Et sur le forum, là, par contre, tu trouves une véritable aide et des gens vraiment super sympas, quoi. C'est bien au contraire. Alors, je dirais même que les nouveaux sont vraiment accueillis à bras ouverts. Et c'est à chaque fois un réel plaisir de pouvoir aider des nouveaux comme ça là à s'installer, à comprendre le fonctionnement, à et tout quoi. C'est sûr, je vais y aller m'inscrire sur le forum francophone parce que je suis sur La Planète Semi francophone sur Facebook et je vais le mettre sur le forum, je vais m'inscrire dessus. Ouais, bah tu ne le regretteras pas. Hein. Là, franchement, alors tu t'inscris depuis. Tu vas dessus depuis un ordinateur ou le téléphone ? Depuis un téléphone. Ok, alors depuis le téléphone. Alors quand tu vas dessus, en haut à droite, tu as trois petits traits, donc un menu déroulant. Et tu te mets en affichage PC, ordinateur, web, je ne sais plus comment ça s'affiche. Et là, tu en verras beaucoup plus du forum. Sinon, ça fait si tu restes en affichage téléphone, ça fait un petit peu pauvre au niveau présentation. Ah oui, ouais, tout le temps quand je vais sur Internet, je mets toujours en version PC. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, voilà, en version PC. Ah oui, non, mais c'est sûr, t'as raison. Hein. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Parce que je vois plusieurs sur le forum, là, qui, les mecs, ils me disaient qu'ils ont du mal et tout, ça. Oh, je me suis là, j'ai compris. Ouais. Et je leur dis, bon, tu es sur téléphone ou tablette, et bien tiens, tu vas en haut à droite, tu mets un affichage PC, et puis là, tu verras que ça te changera la vie. Hein. Tu t'en verras beaucoup plus. Qu'est-ce que je vais faire? Mais là, je suis sur le forum Planète Francophone. Je vais aller sur le jeu m'écrire direct. Ouais, bah, tu verras, là, il y a énormément de sujets, de trucs, énormément de monde aussi. Et puis tout est classé. Je tiens tout ça bien en ordre et tout ça, parce que bon, c'est vrai que les gens parfois, ils ont parfois tous les jours, à chier trois coups, ils ont du mal à trouver ou poster, ou plutôt, disons que, comment dire, beaucoup viennent de Facebook. Alors Facebook, alors là, dans la déconnade, je vais être grossier, sur Facebook, les gens font caca là où ils sont. Et du coup, ben, sur le forum, ils viennent sur un sujet, ils viennent sur une rubrique et ils font caca là où ils sont. Bon, je le dis sous forme de blagounette. Hein. Mais bon, du coup, je passe derrière et je reclasse les sujets comme il faut au bon endroit, dans les bonnes rubriques. Bon, ben ça, voilà quoi. Et pour que ce soit plus facile pour tout le monde pour s'y retrouver. Quoi. Ouais, c'est